tant qu'actrice, comment ça s'est passé le projet? Ça s'est bien passé. Au début, c'était un peu compliqué parce que je croyais que ça jouait trop et tout, j'étais toute rouge et en fait non, pas du tout. C'est ça qu'il fallait jouer, il fallait rentrer dans la peau du personnage. Et c'est ça qui est compliqué, je crois, de représenter toute une classe alors que t'es une seule personne. Alors c'est très compliqué au début. Donc qu'est-ce que t'as apporté ce projet? Ça m'a appris beaucoup de choses sur le cinéma, comment c'est beaucoup plus compliqué que ça a l'air et que comment ça se passe le cinéma et comment ça se fait les films et tout. Qu'est-ce que ce projet t'a apporté? Je pense que ce projet m'a apporté un effet de convivialité avec les autres, apprendre à les connaître, même à me connaître moi, je pense, et à pouvoir savoir ce que je pourrais faire plus tard comme métier. Et donc tu as dit que ça t'a apporté pour savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard, donc qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais être acteur, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais beaucoup faire. Comment s'est passé le montage? Alors le montage s'est passé sur principalement deux étapes. C'est-à-dire l'étape de Desroches, c'est-à-dire qu'on a j'ai récupéré tous les plans des élèves que j'ai triés. J'ai eu de belles surprises parce qu'il y en a que j'ai découvert des certains talents de caméraman avec de très jolis plans, tout ça, et d'autres qui m'ont pas forcément aidé. Donc ensuite j'ai amené tous les plans, j'ai tout monté. J'ai choisi, sélectionné mes plans par rapport à mon idée du making-of qui ensuite a été réalisé et puis mis en film. Donc d'où est venue l'idée de faire un couloir? L'idée m'est venue d'un élève qui m'a proposé de faire ça. Alors je l'ai fait, en dessin. What do you like doing? I like making movies. It's one of my favorite passions. Why as-tu choisi ces acteurs? Alors, en fait, pour moi, ces acteurs, je dirais que c'est plus des personnages portraits, parce qu'ils n'ont pas de rôle véritable d'interprétation. Ils ont un rôle assez neutre. Et d'abord, ils ont été choisis parce que ce sont eux qui ont choisi d'accepter de passer devant la caméra. C'est fait quasiment naturellement. D'abord, je voulais avoir une parité homme-femme, même s'ils sont cinq, donc inévitablement, pour faire une parité, on n'allait pas couper un homme en deux ni une femme en deux, mais on avait envie d'essayer d'avoir un équilibre. Donc, on a gardé trois jeunes filles et deux garçons. Et l'idée aussi, c'était d'avoir une morphologie physique différente.